sommes sur une exploitation polyculture élevage d'autour de 110 hectares. Une surface de vente composée de blé et orge d'environ 40 à 45 hectares et le reste en surface fourragère, 35 hectares de maïs et une trentaine d'hectares de prairies. À côté de ça, donc, on a un élevage laitière, un troupeau de 65 vaches laitières, troupeau normand complètement, et une vingtaine de taurillons normands que l'on élève de notre propre troupeau. Donc la production de notre troupeau, elle est autour de 7300 en lait brut, avec des taux de 40-42 en TB, et en TP, on est autour de 34-35. Donc l'aliment principalement utilisé sur l'exploitation pour nourrir nos vaches laitières, c'est beaucoup le maïs sans silage. Donc la ration d'hiver, elle est composée donc, de maïs sans silage. Nous rajoutons 1,5 kg de rumi plus parce qu'on veut se garantir une bonne fibrosité de la ration. L'effet d'avoir une bonne fibrosité, ça peut éviter certains problèmes, entre autres les boiteries, les problèmes de fécondité, etc. Mais ce qui compte, c'est d'avoir déjà un rumen qui fonctionne bien. On mélange notre rumi plus déjà au maïs. On essaye d'avoir un mélange homogène. C'est un produit qui se mélange assez bien. Et puis après, on rajoute aussi dans la ration de base un petit peu de concentré, entre autres du soja. Et puis la complémentation se fait au DAC. Donc aliment de production et correcteur azoté en complément. Au printemps, on a une ration qui se compose à peu près de 50% herbe et 50% maïs. On vient très vite vers la ration hivernale à partir de fin juin, début juillet. Et on repart avec distribution de rumi plus. Au printemps, maintenant, on le conserve un petit peu, mais en petite quantité. Ça permet un petit peu d'assécher la ration quand l'herbe est bien verte. Notre argument pour utiliser le rumi plus, c'est la régularité de sa structure au niveau présentation de la fibre. Ça fait 20 ans qu'on fait confiance au produit. C'est une valeur sûre et une structure qui nous permet de travailler en toute sécurité par rapport au fonctionnement du rumen de nos animaux. L'apport de rumi plus dans notre ration en mélange nous apporte une régularité de notre mélange, une meilleure appétence, et puis on veut se garantir aussi une régularité dans notre production, aussi bien en lait qu'en taux. La fibre idéale, à notre goût, elle se présente comme le rumi plus. Si on veut d'avoir des brins durs, coupés de 2 à 3 cm, c'est ce qui permet d'attaquer le rumen de façon idéal, tout en conservant une appétence dans la ration. On s'aperçoit que les vaches, quand elles aperçoivent un peu de rumi plus, elles sont friandes de le déguster, entre autres. Pour obtenir une régulation de découpe de tiges et tout ça, c'est vrai qu'il n'y a qu'avec le rumi plus qu'on peut l'avoir.